Eh bien, la petite gazette de ce dimanche vous propose de découvrir ou de redécouvrir peut-être un endroit du Namurois fort important pour sa culture. Suivez-moi. C'est ici, rue de Fer, que se situe le musée Félicien Rops. Nous allons rencontrer son conservateur. Bonjour, monsieur. Vous avez une minute pour notre caméra ? Si vous pouvez d'abord nous rappeler votre nom. Guy Cuvelier. Et vous êtes le conservateur de ce musée. Non pas conservateur, conservateur adjoint. Conservateur adjoint. Voilà, rectification. Voilà. Vous avez... devant vous, des tas de téléspectateurs namurois qui nous écoutent en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous rappeler qu'il existe bien, réellement, ce musée Félicien Rops? Mais bien sûr. Et comment il fonctionne? Avec plaisir. Donc ce musée existe, il est situé rue de Fer au numéro 24. Il est ouvert tous les jours et toute l'année d'ailleurs, sauf le mardi. Il est ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h. Le samedi, il est seulement ouvert le matin, donc de 10h à midi, et le dimanche, l'après-midi, de 14h à 17h. Et alors, je convie vos auditeurs à venir admirer ici un ensemble très, très complet de l'œuvre de Rops. Eh bien, nous allons, par l'image, donner un petit avant-goût de ce qu'est ce très beau musée. Je vous remercie beaucoup. Vous avez en fait devant vous un dessin au crayon qui est un autoportrait de Félicien Rops dans son atelier avec son modèle. C'est une des très bonnes œuvres de notre musée. Voilà qui clôturait la petite visite de la petite gazette au musée Félicien Rops en conviant tous les Namurois et les gens d'ailleurs à passer par ici, rue de Fer.